Ok, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie Accord Skyway. Alors, après cette vidéo introductive montrant bien évidemment les performances de la technologie Skyway, la performance des véhicules qui utilisent cette technologie, je crois que beaucoup de personnes ont pu comprendre que nous avons affaire ici à un système de transport qui est fondamentalement nouveau, sûr et surtout respectueux de l'environnement. Eh bien, je suis Donatien Gérard, je suis Camerounais et chaque jour je me bats afin de faire parvenir au maximum de personnes le vent de cette opportunité Skyway qui est en train de passer en ce moment. Eh bien, j'espère que tout le monde pourra bien évidemment la saisir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il s'agit ici d'une opportunité très rare qui arrive rarement dans une vie. Alors, sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouvelles sur le projet Skyway.
Ensuite, nous parlerons de la technologie Skyway en elle-même. Nous tombons directement en parlant de ce projet de construction de voie Skyway au Népal, dénommé Podway. Récemment, nous avons levé le financement initial pour deux projets. Le lien vers cette publication est juste là à l'image, vous pouvez voir et faire vos propres recherches, vous vous rendrez compte que nous avons en fait quelque chose de réel. Eh bien, je vous informe que selon le calendrier préliminaire de ces deux projets Skyway au Népal, l'un sera mis en service en octobre 2023 et l'autre en décembre 2023. Les carottes sont cuites, les amis. Nous vivons les derniers instants du financement initial de la société mère. Je sens qu'il y aura des annonces de ouf le 22 octobre 2021 lors de l'Ecofest à Sharjah, durant laquelle l'exposition universelle de Dubaï et pendant laquelle Skyway sera présente. Construire Skyway ensemble, sauvons la planète. Voici quelques faits Skyway concernant le Skyway World Center aux Émirats Arabes Unis. Comme vous le savez, le transport à chaîne Skyway est prévu pour être mis en œuvre dans trois directions, à savoir les frettes, le transport de fret, le transport de passagers pour les villes et les passagers interurbains à grande vitesse. Aujourd'hui, le Skyway Testing Center en Biélorussie présente le transport dans les trois directions. Cependant, au centre UST de Sharjah, seul le transport urbain léger, l'Unicar Tropical, est actuellement testé. Une ligne lourde de 2,5 km est en construction aujourd'hui à Sharjah pour tester le transport de fret, à savoir l'Unicont, capable de transporter des conteneurs maritimes. La construction de la piste d'essai pour le transport à grande vitesse à Sharjah n'est pas possible car elle nécessite une section de plus de 15 km. À cette fin, Skyway prévoit de construire un centre mondial Skyway Distance pour les tests et la certification du transport de cordes à grande vitesse dans l'Émirat d'Abu Dhabi. À ce jour, on sait que le projet Skyway s'est déjà vu attribuer une parcelle de terrain à Abu Dhabi, pour laquelle il a été procédé à la fixation légale des limites de la parcelle pour le futur centre. Il convient également de noter que non seulement le transport à grande vitesse, mais également le futur système de transport Skyway, du transport Skyway Hyper-U, est prévu pour des tests au centre Skyway d'Abu Dhabi. Eh bien, la Russie reconnaît la technologie Skyway. Le site internet de l'agence de presse russe la plus influente, Interfax, a publié le document suivant. La Russie a reconnu Skyway. Le plus grand pays du monde attend la certification de la technologie du transport à cordes. L'article est consacré aux enjeux de la réussite du projet Skyway au niveau de l'État de Russie. Le communiqué de presse décrit brièvement et succinctement les principales caractéristiques du système ainsi que l'étape dans laquelle le projet se développe à l'heure actuelle. Le lien vers la publication est celui que vous voyez à l'image. Je vous laisse le temps de pouvoir le voir et aussi de pouvoir le capturer pour faire vos propres recherches. Eh bien, qu'est-ce que Skyway donc? Il s'agit ici d'un système de transport urbain et de marchandises à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, vous avez la chance de devenir copropriétaire de cette technologie. Ce système de transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. L'avantage ici est que il permet d'éviter les embouteillages de 1 et de 2. L'espace qui reste inoccupé au-dessus du sol peut être utilisé pour autre chose, à l'instar de l'agriculture ou de l'élevage, ce qui est déjà un très grand avantage par rapport aux autres systèmes de transport conventionnels. En 1919, à 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme vous le voyez là,
qu'il a réalisé le monde, représenter le monde dans un avenir proche. En voilà une escapade ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans cette boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a été représenté ce transport inhabituel. L'artiste avait prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre. Bien évidemment, le pandémonium des hommes et des machines, nous le vivons aujourd'hui. Dans cette illustration, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens qui courent essayant de ne pas tomber sous les roues. La situation que nous vivons aujourd'hui, où il n'y a plus moyen de passer le niveau 1, le transport de niveau 1 directement à la surface de la Terre est occupé. Il n'est plus accessible. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette image que vous voyez là ne nous est pas du tout indifférente. Au contraire, elle nous est très familière. C'est notre monde, le transport de niveau 1. C'est-à-dire qu'il se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit des accidents de train, de navires, des avions, par actes terroristes, des conflits militaires, des catastrophes naturelles et des blessures professionnelles. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports étant surchargés n'en ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme. D'une quelconque façon que ce soit, celui-ci reste persévérant, ok? L'homme reste persévérant, nous restons persévérants, tellement insistants qu'on oublie même qu'on tue le monde dans lequel nous vivons avec toute cette pollution. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Ainsi donc, le prochain problème majeur de notre époque est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne à l'électricité, il faut le savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à base de combustibles fossiles aussi. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Le quatrième défi, donc, que nous avons est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais cela est la seule différence. Plusieurs tentatives de résoudre ces différents problèmes suscités existent, mais se sont toujours avérées inefficace. Regardez ces photos de 1950 et 1905. Elles n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a réussi à combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre, ce nouveau système de transport, avec le téléphérique et le funiculaire. Pas du tout. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique sont au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Mais le moteur que nous allons étudier aujourd'hui, le transport que nous étudierons aujourd'hui, a cette particularité-là qu'il a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Pour continuer,
Lisons ensemble cette assertion de Anatoly Yunitskiy, le concepteur général de Skyweb. Nous viendrons plus tard sur qui est cet homme et une petite description de sa biographie. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Quand je lis ceci, je me rends compte, bien évidemment, toujours que nous créons le plus grand business de toute la civilisation, à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Eh bien, fixons-nous donc le problème ici qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore, comme on peut le voir sur cette image. On a là le processus pour pouvoir construire une autoroute et là pour pouvoir faire passer un chemin de fer. On voit qu'il y a une totale destruction de la faune et de la flore. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et c'est seulement à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont, ce que les hommes ont fait. Mais avant de continuer, rappelons-nous de la méthode utilisée par les deux enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Vous comprenez pourquoi. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, plaçons plutôt un câble. Vous voyez déjà, on réduit la masse. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. Ensuite, on va tirer le câble et fixer les extrémités de celui-ci dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires dans les supports intermédiaires, nous obtenons donc, après avoir entouré notre câble dans une enveloppe, comme vous pouvez le voir là, une structure de rail unique. Voici donc en section cette structure de rail. On a là le corps du rail, la tête du rail et aussi la remplisseuse. Sur cette base donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. On parle ici du rail rigide, une structure de rail semi-rigide et une autre flexible. Regardez sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci que vous voyez, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit, qui est près de 600 mètres pour cette image, ce pont qui a été pris en grande nature, peut être facilement bloqué par une seule travée. Il s'agit ici d'une image du pont sur la Divina Occidentale, qu'on appelle encore la Riga. Ceci que vous voyez, c'est une photo réelle. Ce n'est pas un photomontage contrairement à la précédente. Une photo réelle qui a été prise dans l'écotechnoparc de Skyway près de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité de la bande passante de la manière suivante.
On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème logistique. Vous voyez, l'avantage de ce système, c'est que au lieu de mettre plusieurs personnes dans une seule capsule qui pourrait se sentir compressée, surtout avec les conditions, avec les mesures des distanciations sociales aujourd'hui, on peut donc les séparer en les mettant dans plusieurs wagons automoteurs séparés et les envoyer les uns après les autres sur la structure du rail chaque 10 secondes. Eh bien, revenons aux photos qui nous sont déjà familières de 1950 et 1905, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci que vous voyez est un moteur, l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant des vents complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, Skyway, le flux d'air au-dessus du sol n'a pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Regardez vous-même, on se rend compte que le coefficient de traînée de cet unibus à grande vitesse est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture moderne conventionnelle. Voici donc l'appareil qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature. Et cette photo a été prise en Biélorussie dans l'écotechnopark de Skyway en 2018. Et ceci permet d'économiser près de 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. Ainsi, rappelons-nous, pour pouvoir continuer, les différents problèmes liés au transport moderne vus précédemment, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Maintenant donc, sur ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes et du transport Skyway. Celui-ci est peint en vert sur les différents histogrammes. On voit donc que Skyway a la solution la plus optimale en termes de transport, que ce soit au niveau du coût du capital de construction, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution d'environnement, le taux d'accident du transport. Ce graphique que vous voyez là montre clairement que le système de transport Skyway a l'avantage qu'il est le plus optimal en termes de temps de délivrance et du coût de délivrance. Voici donc une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Et on se rend compte, en regardant juste la dernière colonne, que le système de transport Skyway est près de 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport modernes, à la fois opérationnels et projetés. La comparaison ici est faite avec le monorail et le train à levitation magnétique, aussi l'hyperloop. Nous pouvons donc dire, à la suite de tout ceci, en n'en point douter, que le transport Skyway, qui est un transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. L'auteur du projet, je vous ai dit bien avant, c'est ce monsieur Anatoli Yevski,
à qui il a fallu 40 ans de recherche, du calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies. Aussi, il est l'auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles. Il est membre de la Fédération de Navigation Cosmique de l'URSS et président du conseil du groupe d'administration du groupe international de société Skyway ou de Unisky String Technology. Les détails de sa biographie et ses développements personnels peuvent être trouvés sur son site unisky.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Actuellement, 7 modes de transport pour les passagers ont été développés. On a la l'UniWind, l'UniBike, l'UniCar, l'UniCar, un deuxième modèle de 3 fois 6 places. Un autre modèle de l'UniBus, UniBus et l'UniBus à grande vitesse. Ici, on a les grandeurs de nature de ces différents véhicules présentés précédemment, autant pour moi. Ensuite, 4 autres modes de transport pour les marchandises ont déjà été développés. On a l'Unitrans, l'Unitruc, 2 modèles d'Unitruc, et on a l'Unicont pour le transport des conteneurs, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Il est donc clair que ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour ce transport. Pour pouvoir le construire, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures offertes aussi par la technologie, il ne sera pas du tout compliqué de mettre en œuvre cette technologie sur n'importe quel type de terrain. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines ayant ses propres supports. Il peut traverser les bâtiments sans charger non plus la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup et beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant l'appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site unisky.engineer. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certifications et plusieurs récompenses que vous pouvez voir là à l'image. Ici, sur cette diapositive, il n'y a que le 10e des documents que l'entreprise a. Vous pouvez les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien tel travail titanesque. Pour ce faire donc, la société Unisky String Technology a été créée à Minsk en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure de composition est faite de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers, pour le transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse. Suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. Dans l'un des mix se trouve l'Ecotechnopark.
Le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie Accord au monde entier. Cette photo que vous voyez a été prise en 2016 sur le site de l'Écotechnoparc. Et le plan de construction était celui que vous voyez à l'extrémité supérieure gauche. 3 ans plus tard, cet endroit ne peut plus être reconnu. Le site du centre d'essai et de certification Skyway est déjà mis en place. Plus de 36 délégations gouvernementales s'y sont déjà rendues. Et chaque année, lors de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats Arabes Unis. Dans l'émirat de Sharjah, le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2019 sur le site de construction dans l'émirat de Sharjah. Le transport Skyway aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement à la nature. Il ne nous surprendra plus comme le fait aujourd'hui le métro et le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout. Somme toute, nous pouvons dire que Skyway est un transport innovant, car la particularité de se déplacer au-dessus du sol à grande vitesse, c'est un transport sûr et efficace, facilement intégrable à la nature aussi. Il est écologique. Bien, voici donc terminé pour nous cette séance de présentation de la technologie Accord Skyway. Mais avant de vous laisser, comme on l'a dit, je vais vous laisser avec cette vidéo magnifique de présentation de notre unibus à grande vitesse qui peut pousser sa vitesse jusqu'à 1000, jusqu'à 600, autant pour moi, kilomètres par heure. Je vous laisse donc écouter la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à ciao les amis. À lundi prochain pour une autre vidéo, pour une autre séance de présentation de cette technologie et d'autres dernières nouvelles du projet.